Eh bonjour les gens, bonjour les autres, c'est votre Farming Surinois. Alors on se retrouve aujourd'hui sur notre carrière notre cheat, exclusivement en vidéo et en off, puisque je l'avance en off comme vous pouvez le constater, comme vous avez pu le constater dans le petit montage que je vous ai fait juste avant, dans l'intro. J'espère que vous allez tous bien, pour ma part ça va impeccable. Comme vous pouvez le voir, nous ramassons la patate de notre champ. Donc j'ai loué la petite machine, tout est relatif, j'ai loué une remorque un peu plus adéquate parce que si vous l'avez un peu observé dans l'intro, ben pour aller vider, si vous avez une remorque basculante, le silo à patate est un peu... il est couvert, donc avec une remorque basculante, ça fout le beans. Donc ben, j'avais commencé avec la petite remorque Mopu que nous avons sur la carrière, et puis ben, j'ai bugué. Ben, je me suis bloqué dans le silo, donc je suis revenu sur ma sauvegarde précédente, et dans le coup, j'ai loué la petite benne que vous apercevez là, juste en face de moi, que j'ai mis au cul du stayer, et avec laquelle, comme c'est pas une benne basculante, c'est une benne à poussoir, c'est beaucoup plus facile d'aller vider dans le silo de stockage des patates, des pommes de terre que nous allons garder un petit peu pour les gringouins. Et puis, bah, quand il y aura une forte demande de pommes de terre, je pense que nous irons également en vendre, parce qu'on ne va pas en garder des tonnes. Alors, comme vous savez, sur cette carrière, il y a carottes et oignons en fruits supplémentaires. Donc, là, une fois que nous aurons, enfin que j'aurai terminé de ramasser ce champ de pommes de terre, je ferai du labour, donc épandage de chaux s'il y a besoin, labour, j'aime bien labour, et une fois que j'aurai labouré, ben, il faudra semer. Alors semer quoi? Je n'en sais rien, je regarderai. Dans un premier temps, je pense que je vais semer du blé ou de l'orge, pour pouvoir démarrer les poupoules assez rapidement sur cette carrière. Dans ce cas, je ferai peut-être en off la semis du blé et de l'orge, et puis la récolte, je vous le mettrai dans une intro, comme ça, ce sera beaucoup plus simple que de faire de la moissonneuse avec vous. Et nous verrons après, avec l'avancée de la carrière, quand nous ferons ou les carottes ou les oignons, et puis si nous pouvons acheter des champs supplémentaires, puisque là à l'heure actuelle dans cette carrière, je vous rappelle que nous n'avons qu'un champ. Je pourrais éventuellement vous montrer ça immédiatement. Hop là, on va diminuer un peu, voilà, donc des terrains, nous n'avons que le 9, donc j'envisage éventuellement, s'il est possible pour nous, d'acheter le 10, mais il est à 165 000, et je vous rappelle que nous n'avons fait 0 de crédit, hein. Donc si nous pouvons éviter de faire du crédit, nous éviterons de faire du crédit. Si je vois que ceci nous prend trop de temps pour acheter des champs, nous taperons peut-être dans le crédit, mais seulement pour acheter les champs. Je voudrais éviter d'acheter du matériel avec le crédit, les amis. Donc voilà. Donc là, ben, on va continuer notre petite récolte des patates. Une fois que nous aurons fini notre petite récolte des patates, nous allons commencer à labourer certainement ensemble, parce que je pense que nous aurons le temps de commencer à labourer ensemble. Étant donné que j'avais quand même avancé la récolte de pommes de terre, je pense que on devrait finir avant le petit quart d'heure, 20 minutes de vidéo, la récolte, et que nous aurons le temps de commencer les labours ensemble dans cette petite vidéo. Hop, 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 hop. Il faut s'arrêter. Là, je crois que j'ai écrasé pas mal de récoltes. Ah ouais, pas mal quand même. Pas mal, pas mal. Donc là, on va vider. Je vais éviter de bouger le tracteur dans l'immédiat. Je vais plutôt y aller avec la machine, étant donné que je suis à l'intérieur. Elle est la machina. Nous allons vider et dans la remorque à la machina. Et une fois que nous aurons vidé la machina dans la remorque, eh bien nous allons repartir à ramasser les patatas. Un petit coup de café, parce que nous sommes lundi matin. Je vous tourne cette vidéo lundi matin pour vous la mettre à midi et quart si j'ai le temps. Donc elle sortira peut-être pas à midi et quart, peut-être un petit peu plus tard, le temps de faire le montage et tout. Mais
Ne vous inquiétez pas, vous aurez un petit montage et elle sortira aujourd'hui ou peut-être que demain midi si je vois que ceci me prend trop de temps. Étant donné que je vous avais expliqué dans le planning que c'était ou le lundi ou le mardi cette carrière et que ce serait la carrière chitée sur la ferme du Quercy, donc notre fermier de Bercy, en fin de semaine. Donc, je vais voir en fonction du temps que j'ai, mais je tiens à vous faire le petit montage dont je viens de vous parler auparavant, étant donné que j'ai fait plusieurs petits enregistrements de ramassage de pommes de terre, pour que vous voyez ça ensemble dans l'intro, et de vidage de pommes de terre. Je suis allé vider la remorque, comme je viens de vous le dire, à plusieurs reprises déjà. Donc je me dépêche tout de même, étant donné que c'est de la location, j'aimerais ne pas trop perdre de temps sur le jeu avec les locations pour perdre le moins d'argent possible, puisque dans une carrière notchée, vous savez que si on perd de l'argent, on s'en sort pas. Déjà qu'elles sont pas faciles, les carrières. Si en plus je m'amuse à perdre de l'argent avec de la location qui ne sert à rien, la benne, dès que j'ai terminé, je la rends. Je veux dire, je n'ai pas l'intérêt, je n'ai aucun intérêt à la garder tant que je ne m'en sers pas. La moissonneuse. La benne Mopu suffit pour la petite Néolande que nous avons. Et là, c'était parce que la benne basculante, elle ne va pas. Donc, une benne à poussoir comme celle-ci, comme celle que nous avons derrière le stayer, peut-être que nous en achèterons une quand les finances nous permettront, mais dans l'immédiat, nous allons éviter. Moi, je voudrais surtout acheter des champs dans un premier temps. Donc là, nous finissons de ramasser nos patatas. Et une fois que nous aurons fini de ramasser nos patatas, comme je viens de vous le dire, je me répète et je le redis, nous labourons notre petit champ, qui n'est pas si petit que ça, hein. En l'occurrence, il est pas mal, hein. Il est bien, hein. Il est compris avec la ferme, mais il est bien. Moi, je kiffe ce petit champ. Et puis, bah, s'il faut, je ferai des missions, les amis, comme ça. Nous gagnerons de l'argent et ceci nous permettra d'acheter les champs plus rapidement et du matériel plus rapidement. Donc, champs, peut-être crédit, si on peut éviter, on évite. Mais crédit pour les achats de terrain, éventuellement, pourquoi pas. Matériel, mission, mais on évite. Je ne veux pas acheter de matériel avec du crédit. Je ne ferai pas de crédit exprès pour acheter du matériel. Si je fais un crédit, c'est pour acheter un champ. Si j'ai acheté le champ, qu'il reste des sous et que un matériel supplémentaire est nécessaire, eh bien dans ce cas-là, je l'achèterai. Mais je ne fais pas de crédit exprès pour l'achat de matériel sur cette carrière. Voilà, que ce soit bien clair entre vous et moi. Bon, mine de rien, même si cette machine va bien, ça prend du temps de ramasser les patatas, hein? Je ne pensais pas mettre autant de temps avec le peu de champ qu'il me restait. Nous sommes presque à 10 minutes de vidéo, il me semble. Ouais, nous sommes presque à 9, pardon. 8 minutes 30 en gros. Donc, ouais, bon, si nous aurons largement le temps de commencer les labours ensemble. Allez, les grolles, là, les corbeaux. On décolle, on reste pas là. Ce champ ne vous appartient pas. Oui, vous n'avez pas accès à ce terrain. Alors, c'est valable pour moi, c'est valable pour les corbeaux, s'il vous plaît. Hop, on se casse, les corbeaux, on se casse. Voilà, on repart. Oh, si, ça va aller quand même. Ça va aller, on va aller assez rapidement. On va avoir assez rapidement fini ce champ. Ça devrait aller. Je pense que nous aurons le temps de commencer les labours ensemble. Voilà. Donc, on avance. Oh, deuxième fois. Dès que je vous parle, je fais des conneries. Deuxième fois, deuxième fois. Bon, ben, ça ne m'est pas arrivé en off. Ça m'arrive ici. C'est pas grave. Là, on va le laisser là, on va couper le moteur, on va faire ça, on saute dans le stayer, on va remplir la petite benne que vous voyez donc de beaucoup plus près, hein, donc c'est celle-ci, hein, la figuole gigant, 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 voilà,
qui et où nous allons aller vider ensemble. Comme ça, vous constaterez que le silo pour le stockage des pommes de terre avec une benne basculante, c'est chaud. Même avec la petite Mopule, vous allez voir que c'est très très chaud. Bon, de toute façon, on est juste à côté de notre ferme. Ça va tout seul pour aller vider. Donc, c'est pas très loin. Donc, nous ne perdrons pas trop de temps pour aller vider notre petite remorque qui va être pleine dans maintenant. Voilà, dans quelques secondes, j'allais dire, mais elle est pleine. Donc là, nous partons vider. Alors, je suis obligé de mettre la masse à l'avant du stayer parce qu'au début, je ne l'avais pas mise et il avait tendance à lever un peu du nez, à baisser un peu du cul. Enfin, vous pensez ce que vous voulez, mais il levait de l'avant, légèrement. Hein. C'était encore assez manœuvrable, mais bon. Là, comme vous le voyez, déjà avec la masse, il a tendance à lever un peu. Mais bon, ça va, c'est encore jouable. Donc là, vous allez voir que bah, vous avez dû l'apercevoir dans l'intro. De toute façon, les portes sont automatisées. Elles s'ouvrent, vous rentrez. Et là, comme vous le voyez, eh ben, le plafond est très bas. Donc avec une benne basculante, pas jouable. Voilà, je vais me mettre en vue extérieure afin de vous le faire constater. Vous voyez, déjà rien que ça, lever, c'est à ras plafond. Donc avec une benne basculante, à peine vous levez, ça vous met le tracteur dans un bazar incroyable et je me retrouvais donc bloqué, je me suis retrouvé bloqué dans à l'intérieur du silo en fait. Hein. Donc un peu le bordel, du coup ben, je suis revenu sur la sauvegarde précédente et j'ai loué donc cette benne pour pouvoir tranquillement à les vider sans encombre. Voilà, donc là on va vider le reste de notre machina dans la remorque et nous allons repartir à ramasser les patatas que nous allons terminer très rapidement. Voilà, donc ça, hop là, hop, je me suis bourré de boutane. Bon, comme vous l'avez vu, de toute façon il n'y a pas eu d'investissement supplémentaire de fait dans cette carrière. Les finances sont bonnes puisqu'on est à 85 000 en ayant acheté deux tracteurs, une remorque, une moissonneuse et en ayant loué donc la machine qui est ici ainsi que la grosse remorque qui est la Fliegel là juste devant nous. Donc là pour l'instant les finances ça va. Comme je vous le dis, moi je voudrais acheter du champ supplémentaire. Donc nous allons voir ça rapidement. Mais bon, les charrues nous les avons. Il faudra que je regarde si le champ a besoin de chaud. Donc dans ce cas-là, il faudra certainement investir dans un épandeur à chaud et à engrais. À part le Bredal, j'en ai d'autres, je crois. Mais il faut que je vérifie qu'ils feront bien et la chaux et l'engrais en épandage. Parce que j'aimerais en avoir qu'un seul pour les deux matières. Ça pourrait être judicieux. Voilà. Donc là. Nous allons déjà finir ceci et ensuite nous commencerons les labours. Voilà, si nous avons le temps, bien évidemment, nous le ferons dans cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, et bien dans la prochaine vidéo, soit je vous le mettrai les labours dans l'intro, soit je finirai les labours avec vous. J'en mettrai dans l'intro, mais je les finirai avec vous comme je fais là pour ce qui est de ramassage de pommes de terre. Parce que je pense que 14 minutes, ouais, si, non, non, je sais pas, nous allons voir. Nous verrons. Tout va dépendre si nous avons le temps de commencer les labours ensemble ou pas. Parce que j'aimerais avoir le temps. Il est. Allez, pour rien vous cacher, il est 10h43. J'ai. Le montage à préparer. Donc je monte. Ensuite, il faut que je le formate. Une fois qu'il est formaté, il faut que je le mette sur YouTube. Et le plus long, eh ben, c'est de le mettre sur YouTube. Parce que dès que c'est un montage, hop là, j'ai raté. Dès que c'est un montage, eh ben, malheureusement, au lieu de mettre. Quand je vous fais une vidéo d'un quart d'heure, 20 minutes, et que je la mets sur YouTube sans faire de montage, elle met en gros, si elle dure 20 minutes, elle met 20 minutes, 20, ouais, une vingtaine de minutes à être sur YouTube. La même vidéo avec un montage avant,
mais 1 heure et demie. 3 fois le temps à peu près. Au lieu de 20 minutes, elle va mettre ouais non, une bonne heure en gros à être sur YouTube. Donc avant, il faut le temps de faire le montage, ce qui est logique. Donc le temps de faire le montage, on va dire pour une montage de 20 minutes, pour une vidéo de 20 minutes, pardon, le montage j'en ai pour ça va très vite, on va dire ouais un quart d'heure, 20 minutes aussi pour faire le montage. Donc je vérifie toujours à la fin que tout s'est bien passé. Donc, je fais la vérification. Donc ben, si la vidéo dure 20 minutes avec l'intro, ben, vous en avez pour 21, 22 minutes, 21, 22 minutes. Donc ça fait 21, 22 minutes à regarder. Et ensuite, eh ben, il faut que je la jette sur YouTube. Donc, comme je vous l'ai dit, un peu plus d'une heure pour une vidéo de 21, 22 minutes. Voilà. C'est 20 minutes. Ouais, si elle fait 25 minutes, vous en avez pour entre 1 heure et 1 heure et demie pour la mettre sur YouTube. Donc, là, étant donné qu'il est 11 h moins le quart, 10 h 45. Le oh, c'est bien de parler de surénoi, mais il faudrait peut-être aussi que tu écoutes, enfin que tu surveilles ce que tu fais. Ouais, là ça va être chaud quoi, pour vous la mettre à midi et quart. Donc elle sortira peut-être un petit peu plus tard, 11 h moins le quart. On va dire qu'elle dure 20 minutes, donc là il faut que je finisse de la tourner. Encore, on va dire moins 10, on va dire que je finis le montage vers 11 h15, que je le vérifie, on va dire que j'ai fini vers midi moins le quart, le temps que elle n'y sera pas à midi et quart, les amis, c'est impossible. Mais en même temps, je n'ai pas pu tourner avant cette vidéo. Je suis désolé, mais je fais ce que je peux. Voilà, bon, j'espère que de toute façon, ceci vous plaira. Je prendrai le temps quand même de faire le montage dont je vous parle et je ça ceci fait 17 minutes que nous sommes en train d'enregistrer. Je pense que nous allons finir de ramasser les pommes de terre ensemble et pour ce qui est des labours, eh ben ce sera dans la prochaine vidéo que nous terminerons les labours du champ ensemble. Je vais finir de ramasser les pommes de terre. Je vais vider. Enfin, nous allons vider dans cette vidéo ensemble. Et une fois que ceci sera fait, je rends la machine, je rends la remorque, je sors du jeu, je fais le montage et je vous envoie tout ça au plus vite pour que vous l'ayez le plus vite possible aujourd'hui. Donc, j'espère que ce sera pour midi et quart, midi et demi. Une fois que celle-ci sera faite. Eh ben, cet après-midi, j'aurai pas le temps, mais peut-être que dans la nuit d'aujourd'hui à demain, j'aurai le temps de tourner une deuxième vidéo et de vous la préparer plus sérieusement avec les labours et tout pour la semaine prochaine, étant donné que nous faisons un épisode par semaine. Je ne sais pas si nous allons pas passer à un autre système de planning. Nous verrons ça ensemble, les amis, mais je pense que nous allons changer le planning. Faire d'une autre façon. Voilà. Donc là, on se dépêche, on va vider ça. Et ça fait déjà 19 minutes de vidéo. Donc, on va vider ça et les labours, les amis, ben, ce sera pour la prochaine vidéo ensemble. Là, nous vidons, nous rendons le matériel et nous nous dépêchons à faire le petit montage dont je vous parle depuis tout à l'heure afin de pouvoir vous envoyer ça dès aujourd'hui. Si je vois que c'est trop court pour aujourd'hui, eh ben je suis désolé les amis, tout ce que je viens de vous dire sera faux, vous ne l'aurez que demain, mais vous aurez le petit montage, donc demain mardi, hein, nous sommes aujourd'hui lundi 21-01-2019, vous pouvez éventuellement avoir cette vidéo demain mardi 22-01-2019. Non. On va essayer de vous la balancer pour aujourd'hui. Et on verra ceci, cela, très, très vite. Voilà, donc là, ou éventuellement, je vous balance ça le soir. Mais j'aime pas trop vous mettre ça le soir, étant donné que je fais mes lives le soir.
J'aime bien vous balancer la vidéo avant. Donc là, dans un premier temps, ben, nous allons déjà. C'est pas ça, c'est ça. Ah, merci, c'est ça. Nous allons dans le garage, nous allons dans les objets loués. Celle-ci, on peut la rendre, oui. Et elle est vide, on la rend, oui. Voilà, les amis. Nous allons ranger notre petit tracteur quand même. Et nous allons nous quitter là-dessus. Donc je vous dis au revoir les gens, au revoir les autres. Je vous fais le montage rapidement. Je vous balance cette vidéo aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo dans l'après-midi, je vous souhaite un excellent après-midi. Si vous la regardez en soirée, je vous souhaite une très agréable soirée. Bye bye!